pour qu'il puisse être autonome au niveau de son ménage. On a mis en place des pictogrammes qui représentaient l'aspirateur, les poussières. On a commencé déjà par ces deux choses-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est la semaine dans un centre d'hébergement et le week-end dans sa maison. Et donc, on a utilisé ces pictos-là des deux côtés. On a utilisé les mêmes. Et donc, mes interventions ont eu lieu aussi bien au centre d'hébergement durant la semaine qu'à sa maison le week-end. Et donc, je l'ai accompagné dans un premier temps pour toutes les étapes du ménage, d'aspirateur et poussière. Et puis, au fil du temps, j'estompais un peu mon intervention à ses côtés et je m'écartais un peu de lui pour le laisser prendre un maximum d'autonomie. Peut-être maintenant, ça vous rassure qu'il n'a pas toujours besoin de vous. Voilà, oui, ça fait même du bien. Non, ça fait même du bien. J'arrive même le week-end à plus penser à lui quand le week-end il est chez lui, ben ça va. Le vendredi soir, vers 8h30, 9h, il me donne un petit coup de fil. Voilà, hein, moi je suis bien rentrée. Mais bon, il rentre à 4h donc. Mais sinon, c'est rare que moi je téléphone.